Mes attentes ont été comblées dans la mesure où le débat a été un peu ouvert. La chose qu'on reproche le plus à la Haute Cour de justice, c'est que la Haute Cour de justice, depuis qu'elle a été installée il y a à peu près 20 ans de cela, elle n'a presque pas fonctionné. Mais aujourd'hui, j'ai compris mieux. C'est une institution qui est un peu entre les griffes des politiques. On a compris que ce n'est pas au niveau de la Cour, c'est les tests qu'il faut voir et pour alléger la procédure, mais aussi pour dépolitiser un peu la procédure. Et à ce niveau, je puis dire que ce n'est pas de leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour que tout au moins cette institution ne soit pas inutile. C'est aux autorités politiques de revoir les tests et d'alléger la procédure. Comme nous sommes à l'ère des réformes, nous attendons vivement le chef de l'État, Patrice Talon, sur ce point parce qu'il a souhaité être au summum au soir de son dernier mandat. Je l'attends vivement sur ce point pour qu'on puisse débloquer en quelque sorte ces blocus qui empêchent l'évolution ou le fonctionnement de la Haute Cour de justice. C'est vrai que c'est difficile de juger le président de la République, mais ne serait-ce que les ministres. Sinon, on donne raison pleinement à l'opinion publique que cette Cour ne devrait pas exister.